Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banner of Ruin. On retrouve Hawkmont et Hydewick dans leur tentative de se frayer un chemin jusqu'au chef des Zedos, je crois que ça a été traduit en français. Et on s'était quitté sur un combat obligatoire. Vous voyez qu'on est à 8, hein, donc on peut en déduire que arrivé à 8, on a des combats. Si on déséquilibre les piles, ça peut être intéressant, hein, parce que ça nous donne éventuellement des choix, on peut quasiment prendre que des choix cool. On va dire. Mais les piles de cartes sont quand même aléatoires sur la plupart des trucs. Il y a des combats qui tombent au bout d'un moment, mais sinon, est-ce que derrière c'est du soin ou pas, on sait pas. Il faudrait que de toute façon qu'on arrive à se faire un petit peu de blé ou un truc du genre, parce que pour l'instant c'est un peu la dèche. Mais on va commencer par un petit combat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici on a quelqu'un qui attaque tout le rang. Vous voyez qu'il y a une flèche là, il va attaquer tout le monde. Et ici on a deux gardes qui vont attaquer Hawkmont. Ok. L'arbre à l'étrier, enfin l'archer pour l'instant ne fait rien. Mais il a son tir affaiblissant. Du coup, nous qu'est-ce qu'on a? On a un élan. Défausser une carte, gagner 3. Pourquoi pas? On peut gagner de l'armure. On a le bélier également. On a un coup d'avant-garde. Et un bout empoisonné. Alors j'ai bien envie de repousser lui derrière. Donc on va se prendre malheureusement un tir derrière. Un tir affaiblissant, mais bon, on peut l'encaisser, je pense, avec notre, notre endurance. Et se focus sur lui, là. Ça me paraîtrait pas mal. Donc avec notre ami Castor, on va le repousser. Donc comme c'est marqué, l'emplacement occupé, du coup, c'est lui qui passe devant. Ah, il va tirer sur lui. Par contre, il va peut-être galérer à encaisser tout, lui, là. Ce qui fait qu'il va devoir prendre le en garde. Ensuite... on va caler un petit peu de poison sur notre ami ici. Donc on lui met 3 charges, vous verrez que ça montera quand son tour commencera. Et on va l'endommager un petit peu et ensuite prendre une charge. C'est parti. Donc là attention, hein, eux vont pouvoir éventuellement prendre leur 10 d'armure si on tue pas celui-là. Puisque ils ont 3 alliés en plus d'eux-mêmes. Du coup, on a une ruée, ce qui serait intéressant avec une charge. On a aussi l'arsenal, qui est assez intéressant également. Avec ça on ferait 3... On a 3 de charge, donc on ferait 3 x 4. 3 x 4, 12 de dégâts. Et avec ça, on ferait 1, donc 2, 4, 6, 8. 10 plus 3, on ferait 13. Putain, dans les deux cas, on pourrait. Mais après, si on arrive à lui faire. Lui, si on lui fait 12 de dégâts, il va mourir du poison. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Je pense qu'on va commencer par ça pour finir lui. Ah, quoi que je suis con, j'aurais dû jouer ça, on ferait plus de dégâts. C'est pas grave. Le problème, c'était que si je commençais par ça, je gâchais la charge. C'est con, hein, mais il faut des fois faire des sacrifices. On va du coup utiliser ça maintenant et on va essayer de se débarrasser de lui. Voilà, parce qu'on lui fait hyper mal. Hein. Inflige 8 dégâts, si ce personnage est au rang avant, il gagne un de vulnérable. On va le tuer de toute façon. On a la possibilité de mettre un petit coup d'espadon, justement, histoire de les endommager un peu. Et après, on a tout cramé, donc les deux ne nous servaient pas des masses de toute façon. Donc lui va gagner son poison, il va mourir, ça aura pas l'occasion de monter. Et on passe un petit coup gratos et on pioche une carte supplémentaire qui devrait, je pense, nous permettre de les terminer. Alors, on a un pas de pitié, on a un coup, on a une avant-garde, on a une épée esquisse et on a un autre coup. Ok, on va les défoncer. Hop, pas de question à se poser, on les bute. Voilà, un chacun. Et on est maintenant au niveau 3. Nickel. Alors, trauma. On applique 4 marqués. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Ça fait que il met... si on arrive à le tuer, un personnage marqué, il inflige des stacks de vulnérables à tous les membres de son équipe, en fait. Le bélier, on le connaît. Le kit de bandage, on le connaît. On va jouer là-dessus. Pouvoir augmenter les dégâts, c'est pas mal. Et on a donc un niveau... Donc au niveau 3, on gagne un passif. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Saignement, égorgeur. Lorsqu'il inflige des dégâts, il inflige un saignement. Ah, c'est pas mal. Lorsqu'il déplace un ennemi par la force, il met un d'accablement.
pas mal aussi, mais un peu plus circonstanciel. Ou infectieux, au tour 9, les adversaires voient leur cumul de poison multiplié par 2. Alors cette compétence est buggée pour l'instant. Le bug est remonté, ça sera corrigé lors du prochain patch. Qui devra d'ailleurs sortir le week-end où je tourne cet épisode. Donc il sera probablement patché assez vite. Mais pour l'instant, cette compétence ne sert à rien. Malheureusement, parce qu'elle est hyper puissante. Hein. On va prendre, je pense, le saignement. A chaque fois qu'il fait des dégâts, il met un de saignement. Bon, un de saignement, c'est pas ouf, hein. Mais ça peut déclencher des combos assez cool. Donc on va prendre ça pour lui. Et derrière, on va prendre un peu plus d'endurance. Ensuite, Hydewick. Qu'est-ce que t'as de beau? Ah, le bastion. Très très badass, le bastion. Au début de chaque tour, si ce personnage n'a pas d'allié, il gagne 15 d'armure et une endurance. Ça, c'est hyper violent. Ce qui veut dire que si on met le castor à l'arrière, lui commence le combat, il gagne direct 15 d'armure et 1 endurance supplémentaire. À chaque tour, il gagnera 15 d'armure et 1 endurance. Il peut commencer le combat avec 2 de volonté, ou il peut aussi être un égorgeur. Ah, on pourrait jouer le poison. Hein. Le poison, pardon. Le saignement. On pourrait jouer le saignement. Sachant que le bastion est utile tant qu'on n'a pas suffisamment de monde pour que il soit pas tout seul sur son rang. On n'a pas beaucoup de sous, donc c'est pas sûr qu'on pourra recruter beaucoup de monde. J'ai bien envie de prendre bastion quand même. Ouais, on va prendre bastion. Et on va lui monter un peu sa volonté pour équilibrer un peu. Ok, c'est une victoire. Oula! Très très bien. Alors on a une patrouille lourde, un combat d'élite ou une angoisse. Donc ça, si on le prend pas, quand ça se résout, on subit 5 de dégâts. Je crois que c'est ça. Quoique non, il n'y a pas de sablier. Donc non, si on le prend, on subit 5 de dégâts. C'est un autre. Il y en a un autre où si on la prend pas, on subit 5 de dégâts. Mais là du coup, on a une patrouille lourde. Votre attention est portée sur un vacarme d'acier des combattants en armure lourde sont travers de votre chemin, leur voix maligne, étouffée par leur casque, lance des insultes à la plaie pendant qu'ils traversent les foules. Alors entre un combat difficile ou un combat d'élite, j'hésite, mon cœur balance. On va prendre la patrouille lourde. Alors, qu'est-ce que c'est la patrouille lourde? On a 4-3 larbins et 3 soldats de la ville qui vont attaquer tout le rang. Ok, donc eux ils commencent, ils font 10 déjà. Direct. Très très bien. On a la possibilité de mettre un trauma. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on en tue un. C'est pas forcément gagné. On pourrait évacuer le lapin. D'ailleurs j'ai mis bastion, j'ai oublié de mettre le castor à l'arrière. C'est une grosse erreur. Une grosse grosse erreur de ma part. C'est sur ce genre d'erreur qu'on perd un combat dans le jeu, hein, clairement. On va être obligé du coup de bouger le castor derrière, ou de bouger le lapin derrière pour qu'il soit tout seul, mais du coup il tankerait pas l'avant. Ouais, ça c'est une grosse erreur de ma part ça. Tellement une grosse erreur que j'ai envie de recharger en fait. On quitte la partie. On continue normalement, je sais pas si on peut... Oula. Merde, j'ai cliqué, j'ai appuyé sur le bouton de groupe vite fait pour voir si ça marchait, et visiblement ça plante le jeu, ah, c'est embêtant. Ok, c'est pas grave, on va le fermer, le rouvrir. Scusez-moi. Bon bah du coup on n'aura pas le choix de faire ce combat sans profiter du bastion au premier tour en tout cas. Si le jeu veut bien redémarrer. Ah oh merde, il y a une mise à jour qui est sortie, putain. Je savais bien qu'elle allait sortir incessamment sous peu. Bon ça va, c'est 3 megs, ça devrait aller assez vite. Désolé pour ce petit aparté, bon c'est un peu noir en attendant. J'ai pas d'écran de prévu pour ça, donc je suis désolé. Bon, je vais faire une coupure parce que visiblement il a l'air de galérer à télécharger la mise à jour. Non, ça y est, il a terminé, il l'installe. Voilà, 8 secondes, 5 secondes, 2 secondes. Allez, c'est parti. Comme
Comme ça, vous aurez l'occasion de voir la petite cinématique de début du jeu, qui reste sympathique. Très bien, c'est parti. Je reporterai ce bug, mais plus tard. Et on se prépare au combat. D'accord. Ah, bah du coup, c'est pas les mêmes monstres par contre. Mais on a la même main. Intéressant. Du coup, cette fois, on a trois archers. On a un larbin castor. Et on a deux mecs qui vont attaquer le rang. Ok, ils ont tous 24 de vie, 16 derrière. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a toujours le repli. Pas très utile face à ceux qui attaquent le rang. On a le trauma, on a un pas de pitié, on a un coup et on a un kit de bandage. Alors, kit de bandage permet quand même de gagner 5 d'armure gratos, hein. Donc le premier truc que j'ai envie de faire, là on va faire 5 et 5, on va prendre 20 de dégâts, ça va pas passer l'armure. J'ai envie de replier le castor derrière pour profiter du bastion. Donc on va déjà commencer par ça, on va prendre lui puisqu'il a 2 de volonté. Et on va le replier derrière. Donc attention, si vous pouvez éviter le replier sur la même rangée, parce que eux ont des attaques qui peuvent éventuellement traverser avec les lances là. Ensuite, on peut mettre un trauma sur quelqu'un. On a le pas de pitié, on a un coup. Pour l'instant, le pas de pitié va jouer sur eux. Donc j'ai quand même envie de me focus sur les archers pour l'instant. Parce que là, avec 3 d'essoufflés, ils peuvent dramatiquement réduire nos possibilités. Y a pas photo. Donc je pense qu'on va mettre un trauma sur ce monsieur. Ouais, quoique du coup, je sais pas. Cliquez sur la carte pour confirmer, faire un clic droit pour annuler. Ouais, il a fait mal au mauvais, pas de chance. J'aurais dû faire ça avant. Et on va utiliser le kit de bandage, donc on n'a pas de quoi enlever de saignement, mais ça fait quand même 5 d'armure, donc c'est toujours ça de prix. Ok, donc ils n'ont pas passé notre armure. Donc vous voyez, pouf, armure lourde. Ah, qui c'est qui nous a mis essoufflé? J'ai pas vu, on a eu des stacks d'essoufflés, mais j'ai pas. Peut-être que lui nous en mettait une, j'ai pas fait attention. Du coup, ils vont tirer 2 sur lui, 1 sur lui. Ok, très bien. On a un espadon, on a une claque. La vitalité de la cible est égale ou supérieure. On n'a personne qui a plus de 33 points de vie, donc ça ne nous sert pas pour l'instant. On a le bélier, qui est pas très utile dans le contexte. On pourrait par contre tuer un... Deux, je pense. On ferait 6 plus 4, 10. Ouais, ça va passer normalement. Donc on pourrait faire ça sur lui. Et derrière, on cale un espadon. Donc vous voyez toutes les stacks de vulnérables qui s'activent là. Ah, la mise à jour a changé pas mal de choses, hein. On voit maintenant ça, c'est en rouge là. Les cartes que seul lui peut jouer sont entourées en bleu. C'est assez sympa. Et on a vu aussi qu'on pouvait annuler la carte. Ça m'a surpris, j'ai pas. Parce que là bon, j'ai pas regardé le patch de mise à jour bien sûr, puisque j'étais en train de vous parler en même temps. Mais c'est assez intéressant du coup. Donc lui va se prendre une attaque. Bah il va gagner une stack d'essoufflés. La claque ne sert à rien, le bélier on ne peut malheureusement pas le jouer, donc on va prendre la garde avec lui. Donc on peut annuler les cartes, ça c'est cool, hein. Ça avant c'était un peu chiant, on pouvait pas annuler les cartes, maintenant on peut annuler une carte, ça c'est vachement cool. Ça va rajouter des possibilités de stratégiques sans précédent. Donc il se prend, hop. J'ai l'impression que les armures... Il va falloir que j'aille voir aussi, parce que j'ai l'impression qu'avec son armure lourde, il est essoufflé aussi. Ils ont dû changer les armes et les équipements, il faudra que j'attende. Il a plus que 2 de stamina, ça peut être un peu la merde. Hein. Alors, comment ça va se passer? Ici, ils vont faire 12, 12 et 6 là-bas. Et lui, s'il a plus de 18, il applique le saignement. Ah, c'est embêtant ça. On pourrait caler une hache de guerre. On va casser son armure là.
Et du coup on va faire 1 x 4 de dégâts à tous les ennemis voisins de rang. Après on a 2 Vanguard, donc on devrait pouvoir le tuer avec lui. On va faire ça. Bam. Donc là vous voyez le vulnérable hein, qui joue. Bon bah sur un du 1 de dégâts ça sert à rien bien sûr, mais... Donc lui malheureusement a tout terminé, mais il a gagné ses 4 de charge pour la prochaine fois. Et avec 2 Vanguard, on va pouvoir terminer celui-là. Hop. Et on a droit de jouer une garde, ça coûte pas cher, on va le faire, c'est parti. Donc leur capacité, j'ai pas montré, mais si on avait du saignement, elle faisait que 2 de dégâts. Enfin 6 de dégâts en fait. Pardon, 2, n'importe quoi. 6. Vous voyez ici que ouais, on a vu que l'armure lourde a rajouté 2 stacks d'essoufflés qui se sont résolus au début du combat. Donc visiblement il y a eu des malus qui ont été rajoutés pour les armures. Ce qui est pas déconnant parce que c'était quand même très puissante les armures. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un coup ici. Avec le vulnérable, 25%, c'est 25%. Ah, on devrait pouvoir le finir. On a également de quoi mettre du poison. On pourrait avoir activé le second souffle sur lui. Ce qui fait qu'il pourra jouer son attaque d'épée gratos et qu'on gagne un garde en plus. Donc c'est pas mal. C'est parti, tapons sur par exemple lui. Et on fait 12 grâce à la charge 3 fois de suite, hein, donc c'est hyper violent. Beaucoup plus efficace que ça. On a ici un petit bout empoisonné, on pourrait mettre du poison sur celui-là, vu que c'est pas lui qu'on va tuer en premier. Là on va essayer de finir lui. Avec le vulnérable on fait pile poil 6, hein, donc c'est parfait. Et il nous reste un garde. Il inflige 8 dégâts à la ligne ciblée. Donc la ligne c'est comme ça, rang, ligne. Donc on va voir ce qui décide d'attaquer. En attendant, on va renforcer l'armure du castor parce qu'elle a un petit peu pris cher et on va caler une ruée. Parce que pourquoi pas. Il met du saignement quand il attaque, donc c'est quand même plutôt intéressant de faire ça avec lui. Vous voyez qu'il s'est rien passé tout simplement parce que c'était à ce rang là d'attaquer et qu'il n'y a plus personne. Et donc il va attaquer cette ligne là. Du coup il suffit qu'on le bouge, qu'on le tue hein, vous me direz. Et ça sera bon, on peut lui blinder un coup encore du saignement. Voilà, 4 de saignement, 8 de saignement et 3 d'armure, donc il va crever, on n'a pas besoin de s'emmerder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arsenal, on a l'élan, on n'a pas de pitié, on va le faire. Hop, comme ça il crève directement. Bon bah on s'en est bien tiré mine de rien malgré l'erreur de début. On gagne un élan, une frappe profonde ou une excitation mortelle. Je pense qu'on va prendre la frappe profonde vu qu'on commence à avoir des ennemis au fond. Et du coup on va regarder un peu les équipements, on va en profiter pour regarder les armures. Ah voilà. Armure moyenne supérieure, on commence avec 18 d'armure, par contre on gagne 1 d'essoufflé à chaque tour. Ça c'était une des plaintes entre guillemets des joueurs, hein. C'est que les armures étaient juste badass et n'avaient pas de malus ou de bonus particulier en fait. Ce qui faisait que on pouvait jouer un mec avec une armure de plate complètement blindée et puis qui avait 10 ou 15 stacks d'endurance par tour, c'était assez vite énorme. Du coup je comprends qu'ils aient un peu nerfé ça. Ça équilibre un peu le combat quoi. Enfin en espérant qu'ils l'aient mis aussi sur les ennemis. Du coup qu'est-ce qu'on a? Les arbalètes. 13 de dégâts, on gagne pacifié et 13 de charge. Et la lance. 12 de dégâts, si la cible est estropiée, on fait le double de dégâts. On n'a rien pour estropier. Ça coûte 1, mais on a déjà notre 12 qui fait 12 à tous les ennemis du rang. Là c'est deux là, ça c'est à deux mains, ouais c'est arbalète, c'est deux mains. Et maintenant ils ont ajouté deux mains sur les armes de tir, c'est cool.
Et 13 de dégâts pour gagner pacifié. C'est franchement pas dingue. Hein. Non, je pense que nos armes sont mieux pour l'instant. On va donc les garder. Pour l'instant, on s'en tire pas mal malgré nos dégâts. Hein. Ça serait bien qu'on puisse se soigner un peu. Ah, on a un mentor, ça c'est cool. Mais vous voyez que ces trucs-là sont toujours là. Mais on va pouvoir les éviter grâce à notre mentor. Alors par contre, ce qu'on va faire, tout de suite. Position de combat, on va prendre le castor, on va le mettre derrière. Voilà, parfait. Le lapin, on laisse devant, au milieu. Et au moins, on pourra profiter du bastion direct. Modifions notre deck. Alors... C'est une bonne opportunité pour se reposer au moins brièvement, il y a peut-être quelque chose à apprendre ici. On peut copier une carte de notre deck ou on peut partir. Alors copions une carte, hein, ça coûte rien, donc on va pas s'emmerder. Je pense qu'on va copier le bois empoisonné, le saignement. Ou un pas de pitié qui a quand même un très bon DPS pour son prix. Alors normalement dans les prochains dans les prochaines mises à jour, ils devraient ajouter des indications de la rareté des cartes. Parce que c'est vrai que là on se rend compte qu'il y a des cartes qui semblent plus fortes que d'autres, mais c'est assez difficile de voir la vraie rareté de chaque carte quoi. Par exemple, celle-là on en a déjà trouvé une autre, donc peut-être qu'elle est commune. Par contre celle-là peut-être qu'elle est hyper rare et qu'on a un coup de chance énorme d'en trouver une et que ce serait très intéressant de la dupliquer, je ne sais pas. Mais dans le doute, je pense que je vais quand même dupliquer le poison parce que c'est très efficace pour se débarrasser des ennemis costauds en fait. Alors, on a quoi? Un combat, une réflexion rapide qui nous permet d'augmenter un niveau, une opportunité se présente pour l'une des recrues de prouver sa valeur, ou on a une possibilité de s'améliorer. Alors là, le problème c'est que si on refait 10 de dégâts à Jean Ridewick, ça va être violent, donc je pense qu'on va prendre une réflexion rapide. Des gains s'approchent, il faut agir vite, à qui demandez-vous conseil? On va augmenter le niveau d'Hydewick en attendant de pouvoir le soigner. Avec sa suggestion, vous évitez un combat ouvert. Votre compagnon est fier de son exploit, content d'avoir prouvé son habileté. Il augmente de niveau. Parfait. Donc il gagne une deuxième compétence passive, active, pardon. Donc il a la possibilité d'avoir la ténacité. On la connaît, on l'a vu la dernière fois. On a le rythme de bataille. Au rang avant, infligez 1-5 dégâts. Au rang arrière, infligez 5 dégâts. Pas mal. Ou les étranges brumes, restaurer 12 de vitalité et enlever de saignement de tous les personnages du rang. Ah, pouvoir faire du soin, bon, ça coûte de la volonté, mais c'est quand même intéressant. Du coup, ça donne envie d'augmenter la volonté, même si on claque 2 d'endurance avec l'armure lourde. Je me tâte. Ouais, sachant que oui, il nous faut 3 pour jouer ce truc là, donc ouais, non, on est obligé d'augmenter ça en fait. On n'a pas le choix. Alors là, vous voyez, à 5, il y avait un combat. Donc là, on était à 5, on avait le combat. Ici, on était à 6 et 6. Maintenant qu'on est à 5, on a le combat, mais on peut l'éviter. Puisque là, on est passé à 4 en prenant le marchand en péril si on veut. Sachant qu'il nous reste 4 cartes. Je sais pas si on trouvera un soin. En général, le marchand permet de gagner des cartes, mais c'est pas tout le temps jouable. Et une fois qu'on est arrivé au bout du chemin, je crois pas qu'on avait réussi lors de notre premier run de démonstration, on peut choisir soit d'embaucher, soit de modifier le deck et les équipements, soit de soigner les membres du groupe. Je pense qu'on essaiera d'embaucher un peu, du coup on se soignera probablement pas. Donc on va prendre le marchand. Vous voyez un marchand se faire fouiller par une paire de voyous où il n'y a aucun garde aux alentours. On peut voler des biens pendant qu'ils sont tous occupés, gagner de 50 dessous, ou alors défendre le marchand et on choisit parmi 3 cartes. On va défendre le marchand, on n'est pas des fumiers. Vous approchez du marchand et vous parlez aux voyous armes en main. Si vous cherchez des noises, vous en avez trouvé. Ils ne perdent pas de temps pour partir en courant. Merci les amis, je n'avais jamais vu ces brutes de ma vie. Où sont ces fichus gardes quand on en a besoin? Quelle honte! Je vous remercie, prenez ce que vous voulez parmi mes biens, je vous en prie. Alors, le rituel de sang. Infliger 3 de dégâts de vitalité par cumul de saignements sur ce personnage. Ok, donc pour ça faut qu'on saigne. Réserve, tirer une carte par personnage du rang arrière. Les personnages du rang arrière gagnent 1 de vigueur. 1 de vigueur, donc vigueur c'est le petit point qui fait qu'il joue une carte gratos, ok.
Et équipe de choc gagne 6 et 1 de charge. Si le personnage actif a des voisins de la même espèce, ils gagnent tous 12 de charge et 5, 12 d'armure et 5 de charge, pardon. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que ça coûte de la volonté, on n'a pas les moyens, et ça, il faut qu'on saigne, donc c'est plutôt circonstanciel, et en plus, si on saigne, c'est qu'on est déjà pas bien. Donc on va plutôt prendre ça. Bon, ça fait quand même 6 d'armure et 1 de charge gratos, même si on n'arrive pas à trouver d'autres personnes. Ah, là, donc le croisement, on sait que ça drop les cartes, maintenant on va l'éviter, on a une cache. Une possibilité de décharger. Alors je sais pas décharger quoi. Et ça coûte 2, donc je pense qu'on va prendre la cache et après on prendra le soin. Vous voyez un symbole qui vous est familier, vos camarades sont passés par ici. C'est l'occasion de vous débarrasser de vos fardeaux, tout en veillant à ce que ça finisse en de bonnes mains. Ah, on peut enlever une carte, d'accord, on peut jeter une de nos cartes. Est-ce que j'ai des cartes achetées? Pas vraiment, hein. Ça peut être intéressant des fois parce qu'on a des cartes qui sont ce qu'on appelle ruinées, qui du coup sont détruites. Et qui deviennent très différentes, on verra si on a l'occasion d'en ruiner. Mais non, là, franchement, je vois pas trop. Même ces cartes-là, qui sont pas dingues, elles restent intéressantes. Pareil pour ça. On n'a pas suffisamment de DPS, donc non, je pense qu'on va rien laisser, tant pis. Je voyais pas ce qu'il voulait dire par décharger. Ok, donc à 3, on voit qu'on a un croisement, donc on va prendre la possibilité de se soigner. Une hermine patte noire ouvre sa cape, montrant son arsenal de breuvages plus ou moins douteux. Ces bretelles-là sont pour des capes dorées des Telos, mais je pense que vous auriez besoin d'un peu de celui-là, pour la douleur, je veux dire. Elle vous passe une bouteille à l'air familière, recouverte de cuir. C'est ma dernière. On va clairement soigner Hydewick. Hein. Le goût est si atroce que vous vous demandez si l'hermine ne vous a pas empoisonné. Vous tournez pour la remercier, mais elle est déjà partie. Tiens, il manque un H là. Je vais prendre un petit screenshot en speed. Pour reporter ça, hop là, stouk. Ça fait partie du jeu de l'Early Access. Hein. Et on continue. Et donc, du coup, on arrive à un croisement. Alors, je vais boire un coup. Voilà. Finir mon verre. Et on va prendre le croisement. De toute façon, tout va être défaussé, donc on avance de 2 à chaque fois. Et donc là on arrive, vous voyez qu'on a la possibilité du coup de se soigner, de recruter des gens, mais ça nous coûte au moins 600, ou de nous ravitailler. Je pense qu'on va prendre le recrutement, on a pu se soigner, sauf Hawkman qui est un tout petit peu endommagé mais ça va, et on a juste ce qu'il faut, donc on va pouvoir recruter au moins une personne. Alors, on a deux mecs niveau 3, regardons un peu ce qu'on a. On a une hermine avec un arc long, 10 de dégâts appliqués, vulnérabilité. S'il a déjà vulnérabilité, infligez le double dégâts à la place. Ouh, c'est pas mal. Elle a aussi blessure purulente, appliquée blessure purulente pendant un tour lorsque la cible subit des dégâts, elle subit aussi un de poison, pas mal. Et elle a soif de sang. Lorsque ce personnage tue un ennemi avec une attaque, sa vitalité maximum est augmentée de 3. Oula, de manière... Oh, ça doit pas être de manière définitive possible. Bon, il est pas mal. Il est pas mal celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un castor avec bastion. Alors, deux personnes avec bastion dans le groupe, c'est pas forcément ouf déjà. Il a une hache de guerre, un bouclier et il a improvisation. Choisissez n'importe quelle carte de votre pile et mettez-la sur le dessus. Bannissez cette carte. Ouais, alors par contre, lui est pas dingue. Et le dernier, une souris. Infectieux, alors peut-être qu'il a été patché du coup, maintenant, vu qu'on a eu le patch, c'est pas impossible. Il a quoi? Une guise arme, 10 de dégâts, déplace ou échange l'ennemi vers la position ciblée, ça peut être pas mal. Et là, il a la blessure purulente. Alors si ça a été changé, si ça a été patché, ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ces deux-là ensemble. Mais je pense que je vais quand même prendre l'hermine. Hein. Parce qu'entre son arme qui est pas mal, qui coûte que 1 en plus, on sait qu'on a de quoi mettre un peu de vulnérabilité. Et la soif de sang, je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Il a une armure moyenne, les autres étant en armure lourde, mais ça c'est acceptable. Ouais, on va l'embaucher, carrément. Donc si on avait eu assez, on aurait pu prendre les 3, hein, bien sûr. Ah, ils ont rajouté les succès aussi, je viens de débloquer un succès recruté, parfait.
Et on est donc à l'entrée du repère. Un havre pour vous et les autres loyalistes. Passez par ici pour aller à la prochaine rue. Eh bien, allons-y. Ah, donc il y a des larbins et c'est un piège. Vos camarades d'armes qui vous attendaient gisent au sol. Une poignée de Telos victorieux brandissent leurs armes par-dessus les cadavres dans cet endroit sombre. Toute autre sortie est barrée. La seule sortie, c'est à travers eux. Entamer le combat contre Brisegueule. Alors je vais juste vérifier parce que du coup il faut pas que lui soit devant. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ils l'ont mis devant. Donc lui on va le mettre derrière avec son arc et on va garder Heidwig devant. Et on va du coup faire le combat contre Brisegueule et on arrêtera l'épisode après. Ok, donc ils ont 48, 40 et 72. Donc là vous voyez, on se dit ils sont que 3 mais il y a un peu plus de badassitude. Donc 10 de dégâts inflige un de saignement. 10 de dégâts, un de saignement. Donc déjà ils vont attaquer tous les deux. Et lui il attaque par là, il fait 12. Inflige 12 de dégâts et gagne une marque. La marque fait, lorsque ce personnage subit plus de 15 dégâts d'une attaque, il gagne 3 charges et 5 bolsters. Enfin renforcement. Ok. Donc lui va encaisser. Et lui va encaisser aussi de justesse. Qu'est-ce qu'on a à nous? Équipe de choc, donc on a personne de la même race, donc on gagne 6 d'armure et une charge. Pas mal mais c'est pas fifou. On a le coup, on a la frappe profonde, personne n'est derrière, c'est un peu dommage mais ça fait quand même 5, c'est l'équivalent d'un coup. Hein. C'est devenu hyper fort d'un coup là. Le c'est hyper fort aussi, ouais j'aime pas, si ça va. On a le repli, on a la garde, bon. En gros on a plutôt des cartes défensives pour ce premier tour. Et on a Brisegueule qui est un boss. Hein. Donc c'est quand il subit plus de 15 dégâts d'une attaque. Donc c'est assez improbable qu'on lui fasse 15 dégâts d'une attaque tout de suite. On va, je pense, commencer à se focus sur lui. Il a 40 PV, c'est celui qu'on a le moins. Donc ce sera le meilleur rapport dégâts DPS, parce qu'ils font quand même mal. Donc du coup, toi, tu vas prendre l'équipe de choc. Histoire de gagner au moins un peu d'armure, ensuite tu vas prendre une charge, pourquoi pas. Hop, c'est parti. Je pense qu'on va probablement le bouger aussi. On va caler le repli, hop, hop, comme ça ils vont taper dans le vide, ça sera ça de prix. Donc maintenant il est derrière malheureusement, mais on peut pas tout avoir. En garde pour toi et un coup. On n'a pas réussi à casser l'armure mais c'est pas grave. Donc ils esquivent, là il va mettre une tatane ici mais on survit. Et il esquive, parfait. Donc on va avoir les stacks d'armure, ok c'est bon. On est déjà à 65 d'armure ici, hein, donc qui c'est qui va prendre? Voilà, eux ils vont attaquer les premiers rangs avec un 6. Gagne 5 par ennemi touché, ok très bien. Et lui, 3x3 et juste 3x3. Et il a effectivement ce qui ne tue pas, donc il y a un petit glitch de marqueur là. C'est pas très grave. On pourrait en repousser un à l'arrière, histoire d'étaler un peu les dégâts. Avant on a l'espadon à jouer. On a l'avant-garde, on a un pas de pitié. Bon, on va jouer l'espadon. Clairement. Avant de bouger les rangs, faut qu'on, clairement qu'on fasse ça. En plus on met du saignement, bon c'est juste 1 mais c'est toujours ça de gagner. On va pouvoir faire un repli. Alors j'aimerais bien rebouger lui, mais c'est lui qui a le plus besoin d'armure. Puis ça coûte 1 de volonté quand même. Peut-être se calmer pour l'instant. Pas de pitié. Continuer d'endommager celui-là. Voilà. Le Vanguard, faut que ce soit lui qui le joue, puisque il est devant. Et après, je pense qu'on va repousser nos ours. L'avantage de ça, c'est que tant qu'ils sont sur deux lignes, bah on gagne des tours en fait. Puisque tant qu'ils sont sur deux lignes, les lignes alternent. Alors que s'ils sont sur une seule ligne, ils attaquent tous à chaque tour. Et nous, on peut tous attaquer à chaque tour. C'est la force en fait. Hein, de nous, on n'a pas besoin d'alterner. Ça changera peut-être, on verra.
un jour. Hop là, on le repousse. Et le repli, on va garder notre volonté pour l'instant, je pense. Là, on va largement encaisser de toute façon. C'est parti. Donc il saigne un peu, mais ça reste pas dingue, mais c'est toujours ça de prix. Hein. Ils vont gagner un peu d'armure. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'arc long. Pas mal. Donc c'est lui qui va attaquer cette fois, donc il fait son 3x3 comme prévu. On a un kit de bandage qui va mettre un peu d'armure là, c'est pas mal. On a l'arsenal qu'il faut qu'on joue en premier du coup. On a une avant-garde qu'il faudra qu'aussi le lapin joue, les autres peuvent être joués par d'autres à l'arrière. Donc avec ça on devrait pouvoir terminer lui. Après il a saignement... c'est lui hein, et lui il a soif de sang, ce qui fait qu'il gagne de la vitalité s'il tue. Donc est-ce qu'on pourrait endommager lui et le finir avec pour tester? On va peut-être faire ça. Donc déjà, on va jouer ça en premier et on va essayer de faire mal à lui. Voilà, parfait. Alors j'ai un peu de mal avec pourquoi il fait autant de dégâts. Hein. Théoriquement c'est 2. Et on n'avait pas de charge ou quoi que ce soit, donc bon, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, on fait des dégâts. Ici on va endommager un peu celui-là. Ah putain, il avait de l'armure, merde, j'avais pas fait gaffe. Du coup on peut quand même pas le tuer. Ah, tu entres. Ou alors je l'endommage avec lui. Bon, de toute façon, on va tester la soif de sang, donc on va voir ce que ça donne. Donc là il est passé à 51. Et pendant qu'on y est, il va aussi s'améliorer un peu son armure. Voilà. Là on va largement encaisser hein, avec nos 68 d'armure, pas de stress. Voilà. Hop, préparation, essoufflé, essoufflé, parfait. On a une carte de plus. Ah là ça pourrait être intéressant du coup ce truc là. Hein. Parce que là on a 33 et lui il a 35. Donc si on prend ça, on fait 12 plus 5. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a quoi d'autre de beau? On a la hache de guerre également. On a de quoi mettre plein de poison sur lui par exemple. On a le pas de pitié. Alors la hache de guerre elle fait 11 de dégâts. Donc si on endommage un peu son armure à lui, on a moyen de faire des trucs. Ouais, je pense que du coup ce qu'on va faire déjà c'est ça. Voilà, ça fait un peu de dégâts. Il va nous attaquer avec quoi? Déplace l'ennemi vers le rang arrière. Si la position occupée inflige 6 dégâts à la place. Donc là on voit, c'est un truc avec un petit cheval là. Donc c'est une compétence tactique. Et on voit qu'il a calculé que dans l'état actuel des choses, il va me faire 6 de dégâts. Si jamais il y avait eu personne derrière moi, on n'aurait pas vu les 6 de dégâts tout simplement. Un peu comme là. Là. Là il se déplace, échange avec une position adjacente, il gagne 3 de charge et 3 de contre-attaque. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre une petite ruée sur lui. Hop, en plus on stack du saignement hein, avec lui, donc on s'en gêne pas. Et derrière avec toi, donc on va pas pouvoir faire de dégâts aux ennemis voisins, c'est pas grave, mais au moins on pète son armure. Hop, et on gagne notre charge. Parfait. Derrière, du coup, on peut utiliser ça pour faire 6 de dégâts plus 4, donc 10 de dégâts à lui. Hop, c'est cadeau. On pourra le finir assez facilement, du coup. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du poison sur les deux ou sur lui. Sur lui, il a encore 69 PV. Et il a toujours son truc, là, qui fait que si on lui fait 15 de dégâts d'un coup, il se booste comme un porc. Donc là on a largement ce qu'il faut pour encaisser de toute façon. On est franchement pas pressé pour le buter lui. Une fois qu'on l'aura tué, lui jouera à chaque tour donc... Ah on a la blessure purulente, ça c'est cool. On a aussi de quoi soigner un peu. Si on veut on pourra soigner un peu Hawkmont. Donc lui il va pas attaquer, hein, il va juste changer de truc et gagner contre-attaque. Donc autant qu'on lui fasse un maximum de dégâts ce tour-ci.
On va donc lui caler la blessure purulente. Et derrière, on va lui faire 12 plus du saignement. Hop là. Donc là, vous voyez, on lui met 7 de poison, il a 8 de saignement. Ça commence à piquer un peu. Là, on va soigner notre ami. Parfait. Et après, garde. Toi, t'as pas beaucoup d'armure, tu vas prendre la garde. Et toi, tu vas prendre la charge, parce que dans les cartes qui nous restent, il y a son épée, donc il y a moins qu'on la pioche au prochain tour. Donc là, il prend le saignement, vous voyez, le poison, ça monte jusqu'à 10 du coup. Il s'est pas déplacé, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un trauma, pas mal, on va pouvoir le mettre sur lui pour le finir. Est-ce qu'on a de quoi le finir? Ah, on a de quoi le finir, mais uniquement avec ça. C'est un peu chiant. Par contre, on peut piocher une carte. Ça, c'est un peu moins chiant. On va piocher une carte et on gagne parfait. Bon, c'est un peu dommage de l'utiliser sur lui, mais on va pouvoir du coup le terminer grâce à ça. Sauf qu'on va pas le... Si, il faudrait que j'utilise avec lui. Non, même avec lui, c'est encore mieux. On va faire 10. Donc on va perdre le saignement, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on lui met un trauma. Après, on le termine avec ça. Et derrière, vu que son pote aura vulnérable, on va pouvoir lui faire bien bien mal avec sa plus charge. Ah, ça me va bien ça. J'ai oublié le trauma, quel con. Oh là là. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le tuer quand même de toute façon. Excusez-moi. Donc là on a la contre-attaque qui nous fait un peu de dégâts, mais c'est pas très gênant. Il va mourir de toute façon avec les stacks, mais c'est pas optimal, j'aime pas quand c'est pas optimal. J'ai misclick, c'est bien dommage. Le reste, on s'en fout, il va crever de toute façon. Enfin, il va pas crever puisqu'il va rien se passer ce tour-là, c'est pas son tour, mais... Si jamais il a encore envie au début de son tour, il sera mort de toute façon. Là, on a la frappe profonde qui va lui faire 12 de dégâts. Bah, et... Il attaque lui, 2x4, allez, on va leur mettre un peu de poison pour le plaisir. On termine le tour. Hop, voilà. Et on l'a terminé, le méchant. Alors, on gagne une carte supplémentaire. Assaut misérable. Infligez 6 dégâts par carte ruine dans votre défausse. Bannissez cette carte. Ruiner toutes les cartes de votre main, infligez 5 de dégâts par carte ruinée. Donc là, okay, là on est sur une synergie, on va prendre les deux malheureusement. Donc ruiner, ce que ça fait, hein, comme c'est marqué, ça transforme une carte en carte ruine. Donc là elle gagne en ruine et en fait son effet est complètement modifié. Et souvent, les cartes ruines peuvent coûter hyper cher, j'en ai eu qui coûtaient jusqu'à 6 ou 7 de points d'endurance à jouer. Mais elles sont... à double tranchant. Très souvent ça va être du genre faites 5 de dégâts et prenez un dégât, ou faites 12 et prenez des saignements, ou des trucs du genre pour chaque ennemi vous faites 10 de dégâts, vous en prenez 5, si vous mourrez infligez le double, enfin des trucs du genre. Donc c'est assez particulier à jouer. On va pas le faire dans ce run je pense, donc on va reprendre l'équipe de choc. Et on va regarder un peu l'équipement qu'on a eu. On a eu une armure moyenne et une armure lourde. Alors la question que je me pose, c'est lui, il avait une armure moyenne, mais j'ai pas l'impression qu'il subissait essoufflé en fait. Non, il subissait pas essoufflé. Hein. Du coup, je me demandais pendant le combat si c'était l'armure moyenne supérieure qui donnait essoufflé et pas la normale, mais non, normalement il aurait dû avoir essoufflé. Peut-être un bug. Quoi qu'il en soit, on va pas équiper ça, ça nous intéresse pas. On reste en moyenne avec nos mecs derrière et en lourd devant. Et donc là, on a droit à une récompense au début de la nouvelle rue. Donc vous voyez qu'on a passé le niveau et qu'on est passé à la rue suivante. On a droit à soigner le groupe, ce qui ne nous sert à rien. On a droit à augmenter le niveau d'un personnage. Ou alors, on a droit à gagner 1000 florins. Donc en gros, soit on pile les ennemis, soit on prend le temps d'apprendre de nos erreurs et on augmente de niveau, soit on prend le temps de penser nos blessures.
Bah, je vais réfléchir à ça et je le ferai lors du prochain épisode parce que celui-là est déjà très très long, le combat était long mais c'était l'objectif. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite.